Bienvenue sur ma chaîne Talk with Fatty BM. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, like et partage les vidéos pour que ma chaîne puisse être connue. Aujourd'hui, on va faire un cake, donc une sorte de petit gâteau. Je fais ça pour ma fille, je viens de rentrer du travail, je suis tellement fatiguée. Mais mademoiselle veut tellement un gâteau que je suis obligée d'en faire un. Donc du coup, voilà, là j'ai utilisé de la farine, des œufs, du beurre, j'ai utilisé du sucre vanillé et un petit peu de levure chimique. Donc du coup, vous mélangez le tout, vous commencez d'abord par casser vos œufs, pardon, vous cassez vos œufs, vous mettez sur le saladier, vous mettez du sucre, vous commencez à mélanger les œufs avec du sucre, vous mélangez les œufs avec du sucre, vous finissez de mélanger les œufs avec du sucre, vous mélangez avec le sucre vanille, vous mettez un peu de levure chimique. Et ensuite, après, vous commencez à mettre la farine en tournant avec le fouet. Vous mettez pour éviter qu'il y ait des bulles. Et ensuite, après, une fois que vous avez terminé de faire tout ça, vous faites chauffer du beurre au feu. C'est ça que je suis en train de faire là. J'ai chauffé le beurre, j'ai fini. Là, je vais même préchauffer là mon beurre. Voilà, j'ai chauffé le beurre. Ensuite, quand vous avez fini de chauffer le beurre, vous prenez un petit peu. Vous mettez sur vos... vos plats avec lesquels vous allez cuire votre cake. Parce qu'après, vous allez en mettre un peu partout dans le plat. Vous allez en mettre un peu partout dans le plat. Et après, une fois que vous avez fini, vous prenez le beurre qui reste. Parce que regardez, le beurre, il n'est pas complètement encore fait. Parce qu'il y en a encore qui sont encore en morceaux. Je vais attendre un petit peu que ça puisse complètement fondre. Donc du coup, une fois que c'est bien fondu, vous prenez et vous mélangez avec la pâte. Donc du coup, j'ai mis l'huile. J'ai bien mis l'huile. Et là maintenant, je mélange parce que ma pâte, elle était un peu dure. Donc du coup, ma pâte, elle va se ramollir justement avec l'huile que je mélange. Bon, je ne suis pas une experte en gâteau, hein, donc je me débrouille, mais je ne suis pas une experte. Donc là, je mélange. C'est un gâteau que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je faisais ça avec mes petites sœurs. Enfin, je faisais ça pour mes petites sœurs. Et là, maintenant, je le fais pour ma fille. Oui, parce que mes petites sœurs, elles sont petites. Enfin, elles étaient vraiment petites à l'époque. Donc, vous mélangez. Vous continuez à mélanger. Jusqu'à ce que vous ayez une fluidité qui commence à arriver sur la pâte. Vous voyez? Ça commence à devenir fluide. Et on mélange. Vous avez vu la texture de la pâte? Il faut que ça soit comme ça. Voilà. Là, elle est plus fluide. Vous voyez? Voilà, j'ai tout mis dans le plat. Maintenant, je vais tout mettre au four. Je vais mettre au four et ben on va laisser ça cuire pendant au moins 30 minutes. Et d'ici là, normalement, ben, ça sera cuit. Hein. Voilà. Après, moi, les calculs de minutes, machin, je passais mon temps tout le temps à regarder dans le four pour voir si c'est bien cuit ou pas. Parce que je n'aime pas trop laisser longtemps, en fait. Donc, voilà. Bon, on met tout au feu. Voilà, le gâteau est terminé. Donc, c'est mon fameux gâteau cake. Bon, ça n'a pas un visage extra comme certains pourraient l'imaginer. Ben voilà, ben c'est comme ça que moi, je l'ai fait, mes cakes. Donc, pour ceux qui aiment bien, ben voilà. Le cake à la patience, c'est pas extraordinaire. Je ne suis pas une championne de pâtisserie. Mais voilà mon cake. Donc, elle va manger ça avec de la crème fraîche, avec un peu de fruits par-dessus. Et voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, like, commente, partage.
Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye. Et voilà comment elle va manger le gâteau. Ouh, bon appétit. Merci.